C'était une fois, dans une petite maison douillette, un chien nommé Lennox. Lennox était un chien plein d'énergie et d'aventure, mais il avait une petite peur, celle du noir. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait et que la nuit tombait, Lennox se sentait anxieux et inquiet. Un jour, une fée bienveillante, nommée Étoilette, entendit les soucis de Lennox et décida de lui venir en aide. Elle apparut devant lui avec ses ailes scintillantes et son sourire réconfortant. Étoilette savait exactement comment aider Lennox à surmonter sa peur du noir. Étoilette proposa donc à Lennox de l'accompagner dans un voyage à travers le royaume des étoiles, où il apprendrait à voir la beauté et la magie même dans l'obscurité. Lennox accepta avec gratitude et suivit Étoilette dans le ciel étoilé. Ils passèrent tous les deux devant la lune souriante et les étoiles étincelantes, jusqu'à atteindre une étoile brillante et chatoyante qui semblait les appeler. Là, Étoilette présenta à Lennox une baguette magique spéciale. Elle lui expliqua que cette baguette lui permettait de voir la lumière dans l'obscurité, même lorsque tout semblait sombre. Lennox prit la baguette magique dans sa patte et avec une étincelle d'espoir dans les yeux, il ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Il prit de profondes inspirations, sentant l'air entrer et sortir de ses poumons. Puis Lennox ouvrit les yeux et pointa la baguette magique devant lui. Instantanément, une douce lueur apparut, éclairant la nuit autour de lui. Il se rendit compte que la lumière était en lui tout le temps. Il suffit juste de l'activer. Guidé par Étoilette, Lennox commença à explorer le monde nocturne illuminé par sa baguette magique. Ils découvrirent des fleurs phosphorescentes qui brillaient dans l'obscurité, des papillons de nuit aux ailes étincelantes et des lucioles qui dansaient avec grâce. En continuant leur voyage, Lennox comprit que la nuit n'était pas effrayante, mais plutôt un monde rempli de mystère et de beauté. Il sentait sa peur du noir se transformer en émerveillement. Étoilette encouragea Lennox à exprimer sa gratitude envers la nuit et à répandre la lumière dans les moments sombres. Lennox réalisa qu'il pouvait partager sa lumière intérieure avec ceux qui avaient aussi peur du noir, les aidant ainsi à trouver du réconfort et du courage. De retour dans la petite maison douillette, Lennox se sentait plus confiant et paisible. Il savait maintenant que la nuit était remplie de merveilles et que sa lumière intérieure pouvait briller même dans l'obscurité. Chaque soir, avant de s'endormir, Lennox prenait sa baguette magique et éclairait doucement la chambre avec sa lumière. Il ressentait un sentiment de sécurité et de sérénité, sachant que sa propre lumière était toujours là pour le guider et le protéger. Et ainsi Lennox continua son voyage, propageant sa lumière et son courage à tous ceux qui avaient peur du noir, transformant les ténèbres en une source de beauté et de réconfort. Thank you.
Thank you.